Oui, copain, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a mis le bonnet, commence à faire froid. Et bien, on va tenter un petit vide-grenier ce matin, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous le dis à tout de suite pour ce live. Vas-y, je regarde juste. Juste, il y en a un qui m'intéresse, c'est le Red Dead Redemption. Bonjour. Bonjour. On va regarder ça. On a dit, parfaitement. Je l'ai gelé. Peut-être le GTA. C'est la map. On est mort. Bonjour, c'est après, il y a la map. Ce qui reste, 50 ans. C'est ça? Combien? 60. 60 t'as dit? Non, on est trop. Ouais, merci. C'est moi, j'en ai un, mais il est abîmé. Ouais. Ça les câbles? Oh, une manette PS3. La collector. Scully. C'est la collector. Oh, collector. Ah ouais, à pile. Hein. C'est très très belle copie quand même. Hein. J'ai cru que c'était vrai de loin. Ça va. Oui, c'est avec un jeu DS. D'accord. Ça va. Combien vous le vendez? Merci. Du coup, il faut faire comme ça, sinon l'image n'est pas droite. Ouais. Ouais. C'est le bruit ce qu'il faut dire. Hein? Ouais, ouais. Et après, il y a ça. Chez deux. Il y a des jeux là, non? Ici. Qu'est-ce que vous avez, madame, en jeu vidéo? Et c'est tout, tout est là. Combien vous en voulez de celui-là? 50 centimes, je vends. Allez, je le prends. Merci. Merci à vous. C'est beau. Heureux. Premier jeu. Mathieu? C'est que PS3. Hein. Ouais, ouais, ouais. Quand tu le prends. Deux, c'est bon. Allez. Mais on prend les deux. Ouais. Quatre. Ouais, quatre. Allez. Avec, parce que ça, ça c'est les chargeurs. Ouais. Le distance. C'est 5 euros. 5 euros pour aller de ça. Ah non, c'est pas une pète, c'est voulu à tomber. Combien vous proposez? C'est sans caméra. Il... Non, c'est pour jouer. Oui, oui, mais sans caméra. Il y a... Ah non, et par contre, voilà, genre il manque le petit casque. Non, il n'y a pas de caméra sur ça. Le casque, oui, tu combien le casque de cheval? PS4, je n'ai pas vu. Ouais, mais j'en avais. La vitesse que ça parle, vous savez. C'est normal. Ouais. Ouais, il faut prendre que. Ouais, moi, je ne prends pas. Ça, je me rappelle, Tennis Arena, je l'avais eu, celui-là. PS2. Quand tu l'as fait, je play 1
Il y a 16-2 par exemple. 16-2, je vais faire 6. D'accord. M3, Rage Racer, Rage Titan. Je vais aller trouver la 3. Ah, la console. Oui. Tu veux Rage Racer, tu veux pas combien? C'est quoi? Rage Racer, je vais faire 8. C'est pas chose, j'en ai plein de nerfs comme ça. C'est vrai? Voilà. Ils sont en bon état, ceux-là. J'en ai 10, 9. Après, c'est vrai que c'est hyper irréprochable, tu vois, je peux pas faire grand chose sur le prix. Encore, il y a des trucs là. Il a la NES là-bas, en boîte. Ah ouais? Il a la NES en boîte. En tout cas, ceux-là ils valent pas cher. Hein. Je sais pas, des goûts. Parce que Joanne, il se va faire mal. Non, il y a 80. Avec chargeur resté. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le compte rendu de Vide Grenier, donc sur deux week-ends, parce que la semaine dernière c'était un peu trop maigre pour faire une vidéo, donc je vais le greffer à celle d'aujourd'hui, donc au niveau du compte rendu. Donc Vide Grenier d'abord du, on est le combien, du 25 et du 18, donc de la semaine dernière. Donc on va commencer par des petits jeux. Donc la semaine dernière j'ai trouvé un Tetris DS complet avec un Mario Kart DS pareil complet pour 10€, donc plutôt content parce qu'en plus ils sont en super état. Ensuite j'ai trouvé, alors maintenant c'est le problème, c'est des prix, je crois que c'était ça, je crois pour 2€ j'avais eu un Ratchet Gladiator, bon j'avais pas bien vu par contre, vous voyez. Jaquette abîmée, c'est un peu dommage. J'ai trouvé un Virtua Fighter 4 qui est par contre complet, impeccable, etc. Et un Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Alors celui-là, je ne connaissais pas parce que Yu-Gi-Oh! C'est pas trop quelque chose que je fais vraiment. Je ne les connais pas très bien ces jeux. Donc tout ça pour, je crois, 1,50€. Bon, c'était plutôt pas mal. Après, voilà, la semaine dernière, c'était vraiment très très maigre. Il y avait très peu d'exposants. C'était un peu compliqué. Et j'ai trouvé un Skylander Imaginator sur Wii U. Alors je crois que je l'ai eu pour 3€, je crois, je sais plus. Voilà, mais bon, après il est impeccable, nickel. Donc pour de la Wii U, moi je vous conseille, si vous en trouvez, d'en prendre parce que ça va se faire rare. Je pense que c'est une console qui s'est pas très très bien vendue. Donc à un moment donné, forcément, même si c'est pas forcément que des bons jeux, ben, les jeux ils vont côté. Et parce que vous n'en trouverez pas. Donc c'est tout ce que j'avais trouvé pour la semaine dernière en fait. C'était vraiment très très maigre pour vous dire. Et donc par contre aujourd'hui c'était un peu plus sympa. Alors on va commencer par un petit accessoire très sympa. C'est pour poser la PSP. Alors vous tirez sur le côté. Après vous avez des petites enceintes en fait qui se lèvent. Posez votre PSP, puis derrière vous avez les sorties télé, etc. Donc du coup, vous pouvez poser votre PSP pour vous brancher sur la télé, regarder des UMD par exemple. Alors ça, c'est le modèle de Under Control, hein. c'est pas le modèle officiel Sony. Mais il existe un modèle officiel Sony qui est très très sympa aussi, mais vraiment très rare aussi à trouver. Donc ça, je l'ai eu pour 3€, donc plutôt sympa. Ensuite, j'ai trouvé un Super Mario Bros. Wii. Complet, impeccable, CD nickel, vraiment il me semble que le CD il est vraiment impeccable, on va vérifier ça. Juste quelques traces de doigts, il faut que je le nettoie. Pour 3€. Bon, il y a des potes qui me disent moi je le trouve pour 1, bah, je dis bah, moi j'ai trouvé pour 3, mais pour une fois c'est cool, ça va, il est plutôt en bon état. Ensuite j'ai trouvé un Black Ops 3 sur PS3 que j'avais pas en fait pour je crois 1,50€ ou 2€, je sais plus, peut-être 1€, je sais plus, je m'en rappelle plus vraiment. Bon, bref, c'est pas très important. Ensuite, j'ai trouvé un Ratchet Clank, mais en édition, je dirais, espagnole. Alors, c'est marrant parce que j'en vois jamais. Alors, ça doit être une édition européenne, mais version espagnole. Donc, ça, je l'ai trouvé pour 2€. Donc, je l'ai pris, je dis tiens, ça c'est original. Après, je sais que sur la console, ça passe en français, il me semble qu'on peut régler le langage direct. Après, pour le délire, avec les collègues, en faisant le con, j'ai pris un Violetta DS.
Voilà, pour 2 euros en 3DS. Donc, je me dis, ça, en fait, ça me ferait une boîte. En cas de problème, si je trouve un autre jeu qui est un peu plus abîmé, ça fera toujours une boîte de rechange. Ensuite, j'ai trouvé un My Sims Party pour 1 euro. Donc, complet, pareil. Il me semble que lui aussi, il est, bah, celui-là, il est, franchement, il est en très très bon état. Ensuite, j'ai trouvé un lot. Bon, là, c'était vraiment par hasard. Il y avait ça. Et le mec, il m'a dit, propose-moi un prix. Je crois qu'il y a un autre jeu. Non, non, je sais plus. Non, non, je crois que c'est tout. Donc, il y avait ça, en fait. Donc, il y avait un Resistance Fall of Man sur PS3, Fall of Man, pardon, un jeu qui est vraiment très très bien, des premiers jeux de la Play 3, pareil, complet, impeccable, mais qui était très sympa parce qu'il y avait une coop à deux joueurs sur la campagne, et franchement, c'était très très fun. Ensuite, un Assassin's Creed 2. Ensuite, un Call of Duty Advanced Warfare. Bon, vous me dites, c'est des petits jeux, hein. Un autre Call of Duty Black Ops 3, du coup, il y en a un qui va partir à l'échange, obligé. Et il y avait un Barbie dedans, sur Wii U, sur Wii, pardon. Donc il m'a dit, dis-moi un prix, je crois que je lui ai dit 7 euros, 7 euros, je crois, pour les 5 jeux. Donc ça va, je me dis, ça reste tranquille. Ensuite, un petit Star Wars Night sur Xbox. Bon, il n'y a pas la notice, par contre, le CD est franchement en super état, pour 1 euro. Un Tony Hawk Pro Skater 4 sur Xbox, complet, en super état, pour 1€ aussi, donc c'était plutôt cool. Ensuite, là vous allez rigoler, un jeu qui n'est pas du tout en super bon état, dans le sens où il a été colorié, c'est un jeu Super NES. Alors je connais pas ce shoot, Super Swive, je me dis tiens, ça peut faire un test. Alors vous voyez, le problème c'est que le petit il est un peu mis du feutre un peu partout, j'essaie de le faire partir à l'essence F, et bon, c'est un peu galère, bon pour 3€. On verra bien. Ensuite, une DS XL couleur chocolat pour 20 euros. Elle est franchement en super super état. Vraiment, les écrans sont super bien. Donc vraiment content. Et là, donc, pour les jeux vidéo, c'est fini. Mais j'ai des petites choses sympas à vous montrer qui restent. Notamment, j'ai trouvé une enceinte Pioneer, en fait, sur lesquelles vous mettiez les iPhones, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'elle a une sortie auxiliaire, donc pour brancher par exemple un PC portable, c'est toujours sympa. Et franchement, j'ai testé, le son est vraiment excellent, je l'ai eu pour 1€, et vraiment, vraiment super. Et ensuite, un accessoire que je recommande à tous. Moi, j'avais déjà trouvé cet accessoire-là dans un magasin que j'avais payé 950€. Qui est très important pour justement tout ce qui est courant électrique, c'est un onduleur, en fait. Alors là, vous avez un onduleur, en fait, avec une batterie, avec des prises qui sont des prises sécurisées, puis des prises master, c'est-à-dire qu'en fait, les prises de gauche, elles sont reliées à une batterie, que si jamais il y a une coupure de courant, vous avez 30 minutes pour tout éteindre. Et les autres sont simplement des prises régulées. Mais c'est vraiment très très bien. Et je l'ai trouvé pour 10€. Franchement, quand le mec m'a dit 10€, je prends de suite. Parce que ça, c'est vraiment très très bien pour les vieilles consoles rétro. Si vous avez peur de brancher vos Neo Geo ou Super Nintendo, etc. Parce que le courant, en plus en hiver, l'orage selon où vous êtes, etc. Ça peut faire des petites surtensions. Et ben voilà, moi je vous conseille de prendre ça. Vraiment. Après, je pense que dans les vide-greniers, vous en trouvez souvent, en fait. Et là... du coup, j'ai tilté, j'ai dit tiens, c'est le même que j'ai, c'est pour ça. Et le fait de voir la même chose, je me dis tiens, je vais demander combien il le vend. Il m'a dit 10€, je dis je le prends. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis plutôt content, c'est des petites choses qui changent. Bon, après, il n'y a pas non plus de grandes perles rares, mais c'était sympa et ça fait plaisir de trouver, de ramener un peu quelque chose. Donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao.